Les raisons fondamentales ayant motivé la tenue de cette troisième réunion du comité de pilotage du projet promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC se situent à divers niveaux. De prime abord, il est question pour les experts d'évaluer les activités de démarrage du dit projet, de reconsidérer l'implication des États membres de la zone CEMAC et surtout de faire un état de lieu de l'impact de la COVID-19 sur les activités liées à la pêche et à l'aquaculture dans les pays concernés. Le directeur des pêches, de l'aquaculture et des industries animales, Membangui Irénée, représentant le ministre camerounais de l'élevage, de la pêche et des industries animales, plaide pour le dynamisme de la zone CEMAC. Le secrétaire exécutif de la CBVIRA demande aux parties prenantes de se conformer aux exigences de la CEMAC. Dans un contexte de crise économique et sanitaire, la commission de la CEMAC nous invite à conforter la visibilité du projet par l'adhésion des ministres sectoriels des États membres qui indiqueraient dès lors les modalités de mise en œuvre au rang desquelles son financement. Le secrétaire exécutif de la CBVIRA, Pedro Baïmé Baïmé, à Yengono, relève que d'importantes activités ont été réalisées malgré la crise sanitaire causée par la COVID-19. Il s'agit entre autres des études socio-économiques et juridiques, de l'identification des activités prioritaires pour les pêcheurs et l'aquaculteur dans chaque État membre de la CEMAC.